De notes. Cela veut dire que vous nous préparez un bel article? Je n'en sais rien. Je me demande... Oui? Qui est cette fille en bleu très clair qui est là, juste au premier rang? Karine Bradley. Vous êtes connaisseur. C'est une de nos meilleures danseuses. Que deviendra-t-elle? La danse est une discipline terriblement exigeante. Lorsqu'une danseuse approche des 18 ans, elle est souvent susceptible de songer à autre chose. Dommage qu'on ne puisse pas les cloîtrer. Vous souhaiteriez vous entretenir avec Karine? J'aimerais centrer mon article sur elle. Je ne connais pas le domaine de la danse, mais si je peux discuter avec une professionnelle... Je vais la chercher. Eh bien, je ne connais strictement rien au ballet. Alors, pourquoi vous a-t-on envoyé? Parce que la critique artistique vient d'avoir un enfant et que mon rédacteur fait parfois de l'humour morbide. Vous traitez quel genre de sujet, d'habitude? Pot de vin, politique, corruption et crime. On vous a déjà arrêté? Non, désolé. Vous habitez chez vos parents? Hors de question.
C'est vraiment trop éloigné du conservatoire. Et mon père est à l'usine Ford de Wayne. Alors je suis venue à Détroit chez mon grand-père. Qui est pasteur, je crois. Et quel âge avez-vous? 17 ans. On peut connaître le vôtre? 27 ans et demi. J'aurai mes 28 ans dans 3 mois. Dans 10 mois, j'en aurai 18. Un autre soda? Oui? C'est moi. Moi? Moi qui? Karine Bradley, la fille de l'article. Je sais qui est Karine Bradley, je ne suis pas idiot. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai le journal, je le reçois à l'instant. Qu'est-ce qu'il faut que je dise ou que je fasse? Je n'ai aucune idée. Ah, salut. Tenez. Oh, merci. J'ai retenu une table chez Guido. J'espère que vous aimez la cuisine italienne. C'est invraisemblable. Quoi? Je raccroche le téléphone à la seconde. Et alors? J'ai obtenu un contrat d'engagement dans un récital pour danser devant un vrai public grâce à vous, Shakespeare. Dire que vous pensiez être incapable d'écrire un bon article. Vous êtes un génie. Mais non, aucun problème. Grand-père ne rentrera pas avant 11 heures. Mais tout ça n'a rien à voir avec grand-père. Et c'est bien ce qui m'effraie le plus. Pourquoi? Pourquoi? Parce que imagine-toi que tu as à peine 17 ans. Et alors, tu n'as que 10 ans de plus que moi. Karine... Tu te conduis comme un gosse de 10 ans, et encore. Tant mieux. Il faut quand même bien que l'un de nous le soit. Karine, écoute bien. Je ne tiens pas à devenir ton premier amant. Qui te dit que tu vas le devenir? Tu ne veux pas faire l'amour avec moi? Non, ce n'est pas du tout la question. Alors? C'est la première fois ou non? Réponds-moi. Oui, mais je peux te dire que j'y pense depuis des mois, des années. Je suis désolé de te dire que ça ne change rien. Cain, ça n'est pas ta faute, c'est la mienne. Tu es trop âgé pour moi. Si tu attends encore longtemps, j'aurai mes 18 ans. J'ai réglé un autre problème. Tu ne peux plus être le premier. Tu veux être le numéro 3?
Tu sais comment ça s'appelle? Du chantage. Dieu est le juge suprême. Nous pensons pouvoir le tromper, mais il garde une fiche pour chacun d'entre nous, sur laquelle il inscrit chacune de nos erreurs. Monsieur Stevenson. Oui, monsieur. Si l'on vous demande le nom du plus grand athlète de tous les temps, dans n'importe quel sport, à qui pensez-vous? Babe Ruth. C'est pas mauvais comme choix. Mais oubliez Babe Ruth. Citez plutôt Damsey. Karine. Mais j'ai des crampes dans les jambes. Lève-toi. Tâtez cet estomac. Demande pardon. Tâtez son estomac. Papa. Mais il n'y a pas de quoi s'offusquer, c'est de la recherche scientifique. Tendez le bras et tâtez-moi cet estomac. Allons-y. C'est ça que vous appelez tâter, vous? Allez-y, allez-y, jeune homme. Vous ne lui ferez pas mal. Karine? Karine? Ça ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quelque chose? Du sucre dans ma pochette, s'il te plaît. Sucre. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors qu'est-ce que c'est? Je dois en prendre tout le temps. Quoi? De l'insuline. Pour le diabète? Et tu m'as caché la vérité pendant un an et demi. Il faut éviter d'en parler aux gens. Ils croient que la canne blanche nous guette ou qu'on va tomber raide mort. Mais comment tu fais pour danser sur scène? J'ai des poches dans mes tenues de danse, cousues solidement. Comme ça. Je suis sûre d'avoir un morceau de sucre si jamais je me sens au bord du malaise. C'est insensé. Il est hors de question d'interrompre la musique en disant « Messieurs, une minute. » Tu vois, depuis que tu le sais, on ne parle plus que de ça. Où vas-tu? Je rentre. Ton grand-père est parti à Lansing. Et s'il appelle de Lansing et que je suis pas là? Ça lui arrive souvent de téléphoner en plein milieu de la nuit? Thank you.
penser à ma carrière. Oui, bien sûr. Tu travaillais? Je te dérange? Non, pas du tout. Enlève ton manteau. Faut que je rentre. Je sais ce que tu ressens. Tu viens de perdre ton plus grand admirateur. Non, ce n'est pas ça. Je suis riche. Grand-père m'a laissé de l'argent pour que je réussisse dans ce métier. Non, je t'en prie, reste assis. Et avec tout cet argent, je vais pouvoir... Mais oui, quoi ? Partir. J'ai pris la décision de partir pour New York. Quand ? Demain matin. Est-ce que tu es d'accord ? Non. Non, je ne suis pas d'accord. Mais qu'est-ce que tu espérais m'entendre dire ? Exactement ce que tu dis. Mais je tenais à venir chez toi pour te dire que je t'aimais. Et que je partais à New York pour étudier la danse, si toutefois j'en suis capable. Il y a des hebdomadaires à New York. Mais ça t'obligerait à tout recommencer à zéro. Ça ne me fait pas peur. Non, je ne suis pas d'accord. Tu commences à être connu ici. Tu ne vas pas renoncer à ta carrière pour moi. Et toi, tu ne renoncerais pas à la tienne pour moi ? Chris, j'ai espéré avoir cette chance toute ma vie. J'en rêve tous les jours depuis l'âge de 6 ans. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait si tôt. Et aujourd'hui, ça y est. J'ai l'impression que je vais mourir en étant loin de toi. Et je peux très bien revenir dans une semaine. Ou peut-être pas. Thank you.
passer à côté de quelqu'un pendant des mois, sans savoir comment il s'appelle. Tu devrais te demander pourquoi. Moi, je m'appelle Gino Ray. Je connais ton prénom, bien entendu, mais... Et Bradley. Salut. Que tout le monde sache bien que je ne suis pour rien dans ces présentations. Si vous voulez devenir des comédiens, parlez. Si vous voulez devenir danseur, dansez. Ce ne serait pas possible. Pas d'audition. Je suis désolée, mais c'est le règlement. Je ne lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas dit pourquoi tu pleurais pendant le cours. Qu'est-ce que c'est? Mon constat d'échec. Je reprends l'avion pour Détroit cette nuit. Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a une audition cet après-midi. Je t'emmène avec moi. Oh, mais tu sais bien que je suis déjà allée me présenter dans toutes les compagnies de ballet de New York. Ça, c'est à Broadway. Un truc d'avant-garde. Diane, je ne suis pas une gypsy. Pas encore. Pas encore. Allez, rends-moi mon billet. Après l'audition. Les gypsies doivent savoir tout faire. Je ne sais ni chanter ni jouer. J'ai pris 3 cours de jazz dans ma vie. C'est raté d'avance. Tu es prêt? Pourquoi? L'audition. Je n'ai pas l'intention d'y aller. Mais enfin, c'est complètement dingue, ça. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mon horoscope ne disait pas un mot à propos de tout ce tas d'imbécilités. Oh, arrête, Diane, c'est inutile de discuter. Je suis sûre que ce sera un bide, comme la dernière fois. Et comme la fois d'avant. Oh. Oh. Terry n'a malheureusement pas conscience qu'il est le plus grand de tous les gypsies qu'on puisse avoir en ce moment. Gypsy est une danseuse de Broadway. Et alors? Mais moi, je suis une danseuse classique. Avant tout, tu es une danseuse, Broadway ou pas. Tu n'as qu'à prendre modèle sur Terry. Si je suis tellement géniale, comment se fait-il qu'en 20 ans, je n'ai jamais eu la robe de Gypsy? Pour des raisons politiques. Et qu'est-ce que c'est, la robe de Gypsy? La vraie renommée, le succès, la gloire. À chaque spectacle, elle revient le droit au meilleur danseur qui se produit sur scène. Ce qui est millimine d'office. Sonny ne prend que des jeunes. Et Dieu sait que j'ai dépassé l'âge. Ah. Et c'est très dur, d'ailleurs. C'est ce que tout le monde pense. Tu vas les éblouir avec tes entrechats. Sonny fera aligner tous les danseurs et me jettera dehors au bout de 5 minutes.
Tu as pris la petite 233? Oui, oui, ne t'inquiète pas. Et le 234, qu'est-ce que tu en penses? Je crois qu'ils seront pas mal dans ce spectacle. Pour voir. Tout le monde bien détendu. Tu serais d'accord aussi pour le 231? Qui? Miss Personnalité? Un peu trop classique pour la chorégraphie à laquelle je pense, mais elle a une technique impeccable. Tu ne la trouves pas un peu trop maigre? Mais c'est ça justement qui m'intéresse. Elle peut doubler de volume dans le rôle du petit garçon de l'acte 2. Je crois qu'on y est, messieurs. Les deux groupes centraux seront les danseurs et les groupes latéraux, les doublures. C'est bien ça ce que vous avez décidé? Inutile de s'affoler, on va travailler avec eux pendant très longtemps. Et en plus, il est sincère. Wally est un vrai pro. Il pense avant tout au spectacle. Disons que c'est surtout quelqu'un qui pense à bien s'amuser à Philadelphie. Sonny. Bon, allez les enfants, mettez-vous tous en place. Hein? Oui, voilà. Le 233, venez ici s'il vous plaît. Le 234 à côté. S'il vous plaît, mademoiselle. Le 233. Ouais, ouais. Bon alors, tous ceux du groupe A, vous passez demain au bureau pour la signature des contrats. Le groupe B est prévu en cas de nécessité pour les remplacements. En attendant, merci beaucoup. On est engagés. Incroyablement, indiscutablement, oui. Tiens, voilà. Maintenant, je peux te le rendre avec l'argent. Tu risques de tenir le choc. Tu me disais que l'endroit où tu habitais ne t'emballait pas des masses. Oui. Eh bien, on a justement quelque chose chez nous qui est libre. Alors, avec Terry, on s'est dit que vivre à trois, c'était peut-être pas si bête. Il vaut mieux que le spectacle soit en route. Mais qu'est-ce que c'est encore que cette invention? Pourquoi pas maintenant? Écoute, si jamais c'est Terry qui t'inquiète, c'est une question de temps. Il peut retrouver du travail avec les talents qu'il a. Et tu connais pas encore le plus grand avantage de la chambre? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Vue imprenable sur écran géant, grâce à Reggie. Reggie, le type du cours? Ouais. Il a acheté la télé quand il a gagné au loto l'été dernier. Si tu veux qu'il change de chaîne, tu n'as qu'à crier. Il est pour la démocratie. Et pour la soumission aussi. Ce n'est pas comparable avec toutes ces vieilles séries, Ma femme est une crémière et autres crétineries. Alors, tu veux qu'on joue aux trois mousquetaires? Oh, je ne veux pas te priver de ton atelier. Tu veux rire, ma chérie? Je n'y passe pas des nuits et des jours entiers à créer. Ça ne suffit pas d'être folle, il faut avoir du talent. Donc, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, oui? Alors, il ne nous reste qu'à prononcer le serment consacré. Jures-tu devant témoins de ne jamais tenter de dévergonder, de draguer à mort, ou pire encore, les petits copains qui t'offrent une chambre et l'hospitalité? Je le jure. Je le jure. Je le jure. Que j'ai un vêtement sur mesure. Je ne peux pas vous laisser avoir l'air de sac de patates pour une première, j'en aurais honte. Oh, Reggie! Oui? Elle est nulle, cette chaîne. Quand tu sauras ce que tu veux, tu me feras signe. Regarde! Ils retransmettent un ballet. Oh, c'est fantastique.
C'est comme ça que ça a commencé pour moi. J'ai su que c'était ma véritable vocation d'un seul coup, comme ça, à l'écran. Ah oui? Moi aussi. C'était un numéro très particulier, style Broadway, dans l'Ed Sullivan Show. J'ai oublié les détails, mais mon père et ma mère n'ont jamais réalisé. Dans les 48 heures, j'apprenais les claquettes, le ballet, plus la danse acrobatique. Je faisais mes exercices de claquettes dans la salle de bain à cause de l'écho. Je dois reconnaître que le bruit était délirant et que les gens d'en dessous nous ont menacés du pire. Mais j'étais folle de bonheur. Oui, folle de bonheur. Et je le suis encore maintenant, d'une certaine manière. Et toi, qu'est-ce qui t'a provoqué le déclic? Je crois honnêtement que ma première révélation est quelque peu antérieure à Ed Sullivan. C'était Fred Astaire et Ginger Rogers, dans Voyage à Rio. Tu as raison, c'est vraiment antérieur. C'était une sorte d'émission souvenir, du musée d'art moderne. Oh, laisse glisser, c'est sa ménopause. Oh. Tu ne pouvais pas choisir meilleur modèle que Fred Astaire. Il parle de Ginger Rogers. En tout cas, elle, elle avait du style. Ah. Est-ce que tu as vu le film? Non. Oh. Qu'est-ce que t'as raté? Dedans, il y a un numéro incroyable. Des dizaines de filles en short. Et qui dansaient sur les ailes d'un avion. Oh. Si. Et puis, qui chantait ma chanson préférée, celle dont je raffole depuis toujours. Hé! My Rio, Rio by the sea, oh, flying down to Rio where there's rhythm and rhyme. Say, fella, twirl that old propeller, got to get to Rio and we've got to make time of girls. Thank you. You love it, flying high above it. Everything will be okay, we're singing, winging our way to you. Ces dames attendaient de la visite. Pourquoi pas? Puis-je? Oui. Non, merci. Oh, là, je suis tombée. Oh! Qui êtes-vous? Question intéressante si nous considérons que c'est vous qui avez frappé à ma porte. Ah, oh, excusez-moi, j'ai l'impression que je me suis trompé de numéro d'appartement. Je cherche dans l'immeuble une fille qui s'appelle Karine Bradley. C'est ici. Pardon? Karine habite ici. Je vous en prie. Peut-on savoir qui je dois annoncer? Chris Stevenson. Je suis sûr qu'elle se rappellera. Mais c'est à Karine, cette robe de chambre. Je vais lui dire que vous êtes là. Ah, Chris! Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, si ce n'est que j'ai fait 1000 kilomètres pour trouver un type qui se balade dans ton peignoir. Allons faire un tour. Je reviens dans 2 minutes. C'est Terry et moi, nous sommes comme des sœurs. Pour un peu, je lui démolissais la figure à ton petit copain. Tu l'aurais flatté, pour une fois qu'il se serait battu pour une fille. Je comprends pas pourquoi tu ne m'en as pas parlé. Je t'ai dit que je déménageais. Et tu m'as parlé de Diane, point final. Et si on se contentait du bonheur d'être ensemble? C'est une si grande et si merveilleuse surprise. Oui, comme tu dis. Ça pourrait être tellement merveilleux. Aussi longtemps que tu voudras. J'ai quitté.
quitter mon travail. Non. Appartement, relations, amis, voiture, tout. Tu es donc destiné à me supporter. Dès que j'aurai du travail, on cherchera un appartement. Mais ce serait stupide. Puisqu'on en a un. Salut. Terry est là? Terry? Terry? Une petite minute. Bonjour. Je vous présente Gus, c'est toi le prochain? Eh bien, j'en sais rien, j'ai pris un numéro. Salut, Gus, je te présente Karine. Ah, salut, Chris. Gus. Mm-hmm. Salut, Karine. Ah, voilà, salut, je m'étais pas rendu compte que tu étais là. Mon ami Chris. Chris Wallace. Salut, Chris. Wallace, Gus. Mm-hmm. Wallace. Gus. Terry. Bonjour. Prenez 5 minutes. On va aller à un mariage. Oh, Paël et Ernie se sont fiancés la nuit dernière. Bon, allez, ça suffit maintenant. Pourrais-je vous suggérer de conserver quelque énergie pour le spectacle? Ou bien est-ce que c'est trop vous demander? D'accord. On a une affaire très importante qu'il est urgent de régler. Opal veut se marier avant de quitter la ville. Quel est notre prochain jour de relâche? Samedi. Il y a des objections? Bon. Eh bien, on va voter pour la lune de miel. Comme ils n'ont qu'un jour, inutile d'envisager Atlantic City. Qui est pour Coney Island? Oui, mais Opal et Ernie. Ah ben, comment ça? S'ils pouvaient décider de l'endroit où ils veulent aller, ce serait plus juste. Plus juste? Mais on est en train de voter, je vois pas où est l'injustice. Bon, tous ceux qui sont pour Coney Island, levez la main. Copain. Très flatteur. Ça se dit ici. Gino Christensen. Chris, Gino di Vito. Tu viens à Philadelphie? Non, je ne pense pas. Je viens seulement d'être engagé. Pour le samedi et le dimanche. Il n'y a jamais de week-end pour les journalistes. Ton canard s'appelle comment? Je n'ai que le Times et le Post. C'est un petit journal de quartier à tirage super limité, le East Sider. Ah, ça y est, j'y suis.
Chien écrasé et compagnie. Alors, non, arrête. Tu oublies qu'on y habite et qu'il y a tout le temps des vols de bijoux. Tu ne crois pas qu'à ta table, tu serais mieux installé? C'est une proposition. Non, un ordre. Très heureux de vous avoir connu. On compte sur vous à Philadelphie. Rien de tel qu'un spectacle en province. C'est inoubliable. Allez, si on se mettait un peu de musique. Eh ben alors quoi? Vous n'êtes jamais allé à un mariage? Ce sont les mariés qui doivent ouvrir le bal. Ça, c'est de la musique de sauvage. Et vas-y, toi, tu adores ça. Toute seule? Personne s'en rendra compte. Je suis allée à l'arrêt du bus. J'ai pris le métro. Chris, qu'est-ce que t'as? Rien, disons. Disons qu'il y a trop de monde autour de nous. Gino est toujours un peu comme ça, il est indiscret avec tout le monde. Non, 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 ça n'est pas Gino. C'est tous les gens de la troupe, ils sont toujours derrière toi. Tu oublies que je suis venue ici pour ça. Quoi? Pour être dévorée? Mais non, pour être avec des gens qui ne pensent qu'à la danse. Tu pourrais t'intégrer. Oui, mais moi, je ne danse pas. Mais c'est parce que tu ne veux pas t'intégrer. Écoute, je suis venue ici pour être avec toi. Toi et personne d'autre. C'est une idée qui, sans doute, peut paraître révolutionnaire dans certains milieux. Mais tu travailles, je gagne ma vie. Il serait normal qu'on puisse être quelque part sans supporter un défilé permanent dans la douche. Je suis sûr qu'il existe une loi qui t'accorde le droit d'être gypsy sur une scène, pendant les répétitions et au théâtre, mais après ton travail. D'accord.
Une fois que tu rentres à la maison, dans notre appartement, on ferme la porte. Tu as raison. Je comprends. Je te jure que dès que je reviens de Philadelphie, on commence à chercher. Et on ne fera que ça. Tu as écouté le répondeur quand il est revenu? Non. Eh bien, tu aurais dû. Il y a une surprise. Quoi? Dis-lui, toi. Un contrat. Dans un spectacle? Mais... Oui. Dans quoi veux-tu qu'on engage le roi des gypsies? Et tu comprends ce que ça veut dire? On n'aura plus à supporter les lamentations de monsieur sur son grand âge. Oh, je ne me suis jamais sentie aussi jeune, même quand je l'étais vraiment. Oh, ça suffit, arrête tes bêtises. Hein? Tu es jeune et tu n'es qu'un idiot. Oui, c'est vrai. Je suis jeune et idiot. Jeune, idiot et riche. Je suis jeune, idiot et riche. Attendez les copains, j'ai un projet de roi. Comme on est maintenant quatre à travailler, on va refaire la salle de bain avec quatre grands lavabos qui seront posés sur une seule rangée, plus d'attente, et comme ça on pourra bavarder. Oh, ce sera fantastique. Ah. J'aimerais bien savoir pourquoi les téléphones dans les hôtels sont toujours aussi stridents. Les peintures de Philadelphie, j'écoute. Qu'est-ce que tu racontes? Non, ce n'est pas vraiment nécessaire que tu lui parles. Dès qu'elle aura déballé ses affaires, elle va dormir toute seule, si ma présence ne dérange pas. Je te signale que tu viens de refuser de dîner avec Guinness. Qui? Gino. Je croyais qu'il s'appelait Ray. Guinness, c'est juste pour le spectacle. C'est les copains qui lui ont donné ce surnom. Parce que dans son dernier spectacle, il y avait 8 danseuses sur scène et 7 ont eu droit à ses faveurs. Alors, ils ont décidé d'écrire au Guinness le livre des records, mais ils n'ont pas osé l'imprimer. Pourquoi tu ris, toi? Je ris parce que je vois que tu crois à cette histoire. Gino l'a probablement inventé toute pièce. Je te signale que tu parles à la numéro 7. Ça se passait en province, un ballon d'essai sans plus. Au bout d'une semaine, le reste du monde disparaît. Il n'y a plus que le spectacle qui compte et les gens avec qui on travaille. Tu savais pour les autres? Tout le monde était au courant. Gino est loin d'être du genre à cacher ses exploits. Mais alors, pourquoi? La curiosité de femme. Comme on dit, quand on voit monter la fumée, il y a le feu quelque part. Et c'était le cas. Curieuse. La même chose sans le 55-60. Oui. Karine Bradley, Sonny et Monsieur Kagin veulent vous voir dans la loge D. Où est Gino Ray? Vous aussi. Il faut qu'on fasse quelque chose. Je change l'ouverture du deuxième acte. Je chamboule tout. Et on attaque sur un pas de deux. Ce sera la partie la plus classique du spectacle. Ça aura une portée folle. On se retrouve chez Lulu à 3 heures. Mais il faut que ce soit au point pour la première, en tout cas. Mais c'est demain soir. Si moi je peux créer, vous réussirez à l'étudier. Oui, sans aucun doute. Sonny. Oui? Et pour le fric? Tu verras ça avec Phil. Combien a-t-on de suppléments? Rien n'est changé, tu donnes 20. Pour 8 représentations par semaine. Ça fait seulement 3 dollars la représentation. J'ignorais que les écoles de danse apprenaient le métier des affaires, mais toi, tu viens d'en trouver une. Combien tu pèses? À peu près 45 kilos. Sonny a dit qu'il y aurait beaucoup de portée. Disons qu'il y en a une douzaine. Ça fait combien? C'est toi qui as le sens des mathématiques. Ça fait 540 kilos exactement. C'est le poids que je serai obligé de porter à chaque numéro. Et on passera à 1 tonne 40 à chaque fois qu'il y aura une matinée. C'est pas rien, une tonne.
Alors toi, c'est comme ça que tu évalues une œuvre d'art. C'est le poids qui t'intéresse. Écoutez, ça dure combien, un danseur? 10 ans? Au plus 15? Et qu'est-ce qui va lâcher en premier? Le dos. 30. Quoi? 30 de plus par semaine en prime. Et ne cherche pas à savoir ce que font 5 dollars supplémentaires, ça te rapportera 62 cents et demi en plus par représentation, encore 5,3 cents par portée. Signe-la. Toi et Gino? C'est un pas de deux. Nous faisons toujours partie de la troupe. Au début du deuxième acte, on sera tout seul. L'ennui, c'est que j'étais pressenti pour couvrir un gala de charité demain soir, mais ça n'a pas d'importance, je me ferai remplacer au pied levé. Si je comprends bien, tu viendras ici. Bien sûr. C'est la soirée la plus importante de ta vie. Et ce sera un vrai miracle si je parviens à me souvenir de tous les pas. Pourquoi n'attends-tu pas que le numéro soit bien rodé? Là, tu pourrais venir me voir. Dans un sens, c'était un peu comme toi avec tes brouillons. Oui. Bon, la pause est terminée. Faut que je me sauve. Bien. Je t'appelle demain soir après le spectacle. Oui. Je t'aime. Au revoir. Sonny nous attend. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tout est fichu. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis hors circuit, c'est tout. Mais tu es folle. C'est son truc qui est délirant. Je suis persuadée qu'on se rappellera de rien. Avec la musique, ça reviendra. Je tomberai raide, morte devant le public. Andrew sera en coulisses en dansant tous les pas. Et si jamais on est coincé, on pourra toujours improviser en attendant de retrouver le fil. Quand on n'est pas sûr, on est obligé d'improviser. Oh, je t'en prie. Quoi?
s'il te plaît. On ne retrouvera plus jamais cette occasion. Tu n'en as aucune idée. Parce que c'est ton premier spectacle. Mais moi, j'ai tellement espéré ça. La question n'est pas de savoir si on peut ou non, il faut qu'on réussisse. Parce que c'est maintenant ou jamais. Bon, tu as raison. On va le faire. Et si on n'est pas à la hauteur, qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire, hein? Nous envoyer des tomates? Nous pendre? On les aura. Si on se fait pas avoir, oui. C'est très philadelphique comme esprit. Tiens, ça va aller? Oui, ça va aller. On redémarre à partir du même endroit, bien détendu. L'esquisse suffira. Inutile de forcer la dose. T'inquiète pas. 5, 6, 7, 8. Avant d'aller dormir. Je pourrais pas. Diane doit dormir. Tu sais à quelle heure ils ont fini la répétition. Alors viens dans ma chambre. Tu ne m'empêcheras pas de dormir. Nous sommes sur le même bateau. J'ai dit bateau, pas lit. Neuvième étage. Ah, c'est de loin le meilleur bain que j'ai jamais pris de ma vie. Voyons ce que je peux faire pour tes courbatures. Je n'ai pas du tout envie de danser avec Andrew. Allez! Allonge-toi. Thank you.
Retourne-toi. Retourne-toi. Une série de pas. Bon, ça a duré quelques secondes. Personne s'en est rendu compte. Sonny, s'il te fait une réflexion, je lui casse les deux jambes. Comment ça va, toi? Je crois qu'il est fichu. Ah. Qu'est-ce que c'est? Un gris-gris. Ça fait guérir deux fois plus vite. Si ça marche, je me le fais tatouer. Tu as faim? Ah. Il faut qu'on mange quelque chose avant la grande première. Je sais pas, un burger. Tu viens?
Bienvenue dans le manuel des performances. Je pensais pas te revoir ce soir. Ah bon? Voir qui? N'importe qui. Tu permets? Oui, je suis pas habillée. Mais j'ai l'habitude. Non, c'est différent aujourd'hui. En quoi? Je ne suis pas seule. Je sais. Karine est avec toi. Non, pas ce soir. C'est un coup de chance. C'est un garçon qui est acteur et je croyais que c'était lui. Alors pourquoi tu as dit « je ne pensais pas te voir ce soir » ? Oh, Tony est ombrageux, c'est un chat sauvage. On ne sait jamais comment ça va tourner avec lui, mais tout compte fait entre nous, ça tient toujours. Où est Karine ? Eh bien, c'est ce que je voulais t'expliquer tout à l'heure. Elle dort chez une copine ce soir pour me rendre service, quoi. À quel endroit? Je sais pas. Ça s'est passé si vite, j'ai dit j'aurais besoin de l'appartement ce soir et elle m'a répondu bien sûr. Tu crois probablement que ça n'existe pas entre hommes, ce genre de service. Écoute, Chris, tu vas m'excuser, mais si Eddie s'amène et qu'il trouve quelqu'un ici, ça peut... Tony! Quoi? Chat sauvage. C'est comme ça que tu l'as appelé tout à l'heure. Mais je finis par comprendre la solidarité entre les femmes. C'est stupéfiant. Je peux téléphoner? Non, je suis sincère, Chris, je t'assure. Je sais pas où elle est. Quel est le nom exact de Gino? Non, Chris. Dans quelle chambre je peux le trouver? Écoute, Karine a traversé des moments très durs. Tu ne peux pas imaginer dans quel état de tension... Je me fous de son état de tension! Au diable, le spectacle et le monde magique des gypsies que les imbéciles de mon espèce ne sont pas capables de comprendre. Tu sais à quoi vous me faites penser? À ce pauvre pantin de Peter Pan qui se tirait tout le temps d'affaire uniquement parce qu'il avait refusé de grandir. Mais où est-ce que vous vous croyez, tous? À Disneyland? Où est-ce que tu vas? À New York. J'aurais ouvert les fenêtres avant que vous reveniez. Mais enfin, dis-moi, qu'est-ce que je dois lui dire? Dis-lui. Dis-lui que je m'étais proposé d'aller la voir après la représentation, quand la pression serait tombée. Et que... J'espère que tout a bien marché cette nuit. Je veux dire au théâtre. Et on nous signale que la bourse a aujourd'hui été plutôt maussade et que toutes les valeurs sont en recul, sauf les valeurs pétrolières, à l'annonce du succès de la réunion de l'OPEP. Nous vous donnerons plus d'informations dans notre prochaine édition. Passons maintenant aux résultats sportifs. En tennis, tous les favoris ont passé le premier tour du tournoi de Cincinnati. Pour la majorité d'entre eux, les choses sérieuses ne devraient pas commencer avant le troisième tour. Hé, hey, je te préviens, c'est pas réjouissant. Oh. Non mais, on parle de Gino et moi. Ah ouais? Fais voir. Chapeau bas au chorégraphe Sonny Fay et aux deux jeunes danseurs qui auront grâce à lui toutes les chances de briller un jour au firmament. Mademoiselle Bradley, elle toute seule, vaut le prix du billet. Quoi? Oh! Même si le reste du spectacle est très quelconque. Oh! Eh ben dis donc, il a la dent dure, le monsieur. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle Chris, il faut qu'il sache la bonne nouvelle. Il est au courant. Il est passé ici hier soir. À Philadelphie?
Oui. Mais on avait décidé qu'il ne viendrait pas. Tu avais décidé. Mais il a préféré ne pas te voir pour ne pas te troubler avant le spectacle. Où est-il? À New York. Il déménage. Tu lui as dit où je passais la nuit et avec qui? Je lui ai monté tout un bateau à ton sujet. C'est un journaliste. Il a énormément de métiers. Il creuse et il découvre la vérité. Alors, Suzy, ça s'améliore un peu? Suffisamment pour me mettre en première ligne au bureau de chômage. Johnny, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai apporté la robe. C'était pas la première de New York. Quand on a appris que ça se terminait ici demain soir, on m'a désigné tout de suite pour venir à Philadelphie et présenter la robe d'apparat des gypsies à Diane Foster. Oh 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 oh. Ce sont des instants historiques. Mieux qu'un Oscar, mieux que n'importe quoi au monde. Dans 100 ans, on en parlera encore du jour où Diane Foster a gagné la robe de Gypsy. Et dans le prochain spectacle, qui choisira le gagnant? Moi. Alors la robe qu'il aura, d'après toi, hein? Le plus grand Gypsy de tous les temps et du monde, Terry Mitchell. Oui, oui, c'est le début d'une grande dynastie. Mais qu'est-ce qui se passe? T'es pas au courant? Quoi? Terry a été viré le troisième jour de répétition. Plus que 15 minutes, mesdames et messieurs. 15 minutes avant l'instant magique. 15 minutes. J'essaye de l'appeler depuis 8 heures. Il est probablement sorti. Pour fêter ça? Non, pour oublier. Il peut pas se payer une bière. Alors, toujours rien? Je pars à New York avec Jenny. Bonjour, matinée, demain. On ferme demain soir, ils vont pas me mettre à la porte, non? Et si tu réessayais tout à l'heure? Je connais Terry, quand il déprime, il ne répond pas au téléphone. Il doit être chez lui, assis, à se ronger les seins. Il compte sur moi. Karine! Les copains veulent sortir pour noyer leur chagrin. Je t'emmènerai bien, mais ils ne veulent pas de filles. Je n'ai pas envie de toute façon. Je t'appelle en rentrant à l'hôtel, d'accord? Oui. Terry? Terry? Je ne te demanderai qu'une seule chose. Est-ce que tu étais ici à 11h quand il y a eu un appel téléphonique? Reggie? T'es rentré? Est-ce que tu as vu Terry? Non, mais tu ne devais pas être à Philadelphie, toi. Chose à faire.
et à régler. Enfin, je veux dire, pour l'enterrement. On s'en occupera, comme d'habitude. Mais il est quoi? Je veux dire, il était quoi? Un gypsy? Non, de religion. C'est ce que je viens de te dire. Quand la police a débarqué, ils ont pensé que c'était mon mari. J'ai dit oui. Tu sais comment sont les gens avec les homosexuels. De toute façon, j'ai aimé cet homme. Jamais je n'ai aimé personne plus que lui. Il a laissé une lettre. Mais pourquoi aurait-il laissé une lettre? Il a été viré. Jenny dit qu'ils l'ont massacré en lui disant qu'il était vieux. 39 ans, mais c'est pas vieux. Mais quand on a réellement 44, si. 44? Tu veux que je te donne un autre choc? Diane Foster n'a pas 29 ans, elle a... Oh, non, tais-toi. Et ce n'est pas tout. Le mois prochain, je... Allô? Gino. Ah, Karine. Je viens de rentrer à la minute. Je peux monter? Oh, j'admire ta résistance, mais on a deux représentations demain. Il faut que je monte te voir, je t'en prie. Qu'est-ce qui se passe? Je te verrai tout à l'heure. Il y a bien quelqu'un dans la troupe qui a du Valium ou quelque chose d'approchant. Écoute, tu vas tomber dans les pommes si tu ne prends pas quelque chose tout de suite. Où est-ce que tu vas? Chez Kelly. C'est une pharmacie ambulante. En tout cas, qu'on ne trouve pas mieux dans le genre cimetière. Ça ira, il ne sera pas plus mal comme ça. J'espère bien qu'ils feront ce qu'il faut pour l'entretien. Je viendrai voir pour contrôler. Laurie a vraiment l'air d'être gelée. Flying down to Rio where there's
Salut. Karine, Odimos. Odi, Karine. Il vient au sujet de la chambre. Diane, j'ai quelque chose à te dire, en tête à tête. Ah, bon. La chambre est au bout du couloir. Tu peux aller jeter un coup d'œil. Hmm? Tu ne m'en avais jamais parlé? Je l'ai connu ce matin pendant le cours. Tu voulais que je t'envoie un télégramme? Tu comptes le mettre dans la chambre de Terry, mais c'est pas croyable. Pourquoi, tu le préfères dans la tienne? Tu sais très bien ce que je veux dire. Non, pas du tout. Tu agis comme quelqu'un qui cherche un nouveau chien quand le vieux vient de mourir. Est-ce que tu seras en train de m'accuser d'oublier tout ce qu'a été Terry? Eh bien, je... Tu sais où je suis allée aujourd'hui? J'ai repris la route de mon ancien boulot. Tu devrais féliciter la petite serveuse au grand cœur. Diane... Non, ne cherche pas d'excuses. Je n'en avais pas l'intention. Pourquoi? C'est seulement que... C'est douloureux pour moi de penser que tu installes quelqu'un dans sa chambre aussitôt. Et moi, tu crois que je n'en souffre pas? Mais écoute bien, Diane Foster est décidée à survivre. Car ma vie a toujours été la danse. Je sais. Je suis née pour danser, tu entends? Pas pour servir des abrutis qui essaient de me pincer les fesses avec un air lubrique. Si je travaille, c'est pour survivre. Ce garçon, c'est pour survivre. Jamais un homme ne pourra remplacer Terry, pas une seconde. Jamais! Mais Ozzy représente 30% du loyer. Grâce à lui, je reste chez moi et tu peux y rester aussi jusqu'à ce que la chance tourne, car elle tournera. Est-ce que tu saisis? Oublier Terry, moi? Non, je veux démolir le système qu'il a démoli, lui. C'est ça que tu appelles oublier? Oh, Chris. Je peux entrer? Bien sûr. Assieds-toi. J'ai appris pour Terry par la presse. Je suis désolé. Je serais bienvenu à l'enterrement, mais je voulais pas être importun. Je sais ce que tu peux ressentir. Non, Karine. J'aimais bien Terry. Et Diane aussi. Mais je n'avais pas compris. Mais aujourd'hui, je réalise. Je vais chercher mon manteau. J'ai trouvé du travail. Dans un vrai journal, cette fois. Le Washington Post. Mais écoute, c'est merveilleux. Oui. Washington est une grande ville. Je sais pas s'il y a une compagnie de ballet, mais des cours de danse, sans aucun doute. Qu'est-ce que tu veux dire? Viens avec moi. Avec toi, pour vivre? On pourra se marier. Il faut qu'on se marie.
Eh bien, de toute façon, je pars demain. Et rien ne m'en empêchera. Fini les journaux de quartier. Et fini la bande de gypsies. Voilà un billet d'avion pour Washington. Je prendrai la navette de LaGuardia à 2 heures. Il s'est passé tant de choses. Tant de choses inattendues. Le spectacle, Terry. Gino. Gino. Nous. Je voudrais tout mettre sur le compte de Philadelphie. Pourquoi pas? Tout le monde le fait. Je suis sûr que même au pôle Nord, on accuse Philadelphie. S'il te plaît, Chris, ne me fais pas rire. Je t'aime. Et s'il te plaît, ne me fais pas pleurer. Je ne suis sûre que d'une seule chose. Je ne veux pas que tu sois malheureux ni que tu aies mal. Oh, ne crains rien. Avant toi, rien ne me faisait souffrir car rien n'avait d'importance. Maintenant, tout me fait souffrir. Parce que tout est important. C'est une grande leçon pour un homme qui fait mon métier. Et c'est toi qui me l'auras appris. Mais j'ai toujours dit que tu étais trop vieille pour moi. Peut-être que je te rattrape. Je serai à la navette pour l'aéroport à 2 heures. Chez Geoffrey, il y a une audition samedi. L'article sur Philadelphie, ils l'ont lu. Oh, ah, quelle horreur. Et pourquoi quelle horreur? Mais je n'ai pas fait de pointe depuis 3 mois. Et alors, tu prendras 2 cours par jour? Et avec quel argent? Et il y a une place pour une bonne serveuse au cabaret. Hein? Allez, remue-toi. Tu iras chez Madame Eugénie à 1 heure. Tu t'es pas fait mal? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est ma valise. Oui, ça je sais. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Si c'est pour la navette de 14 heures, monsieur, il faut embarquer. Attendez un instant. What's going on inside? Dépêche-toi! You have to obey. What can I be tonight? Je suis désolé.
Savoir ce qui se passe de si important, mademoiselle? Rien, madame. Est-ce que par hasard le coup vous ennuierait, mademoiselle? Non, madame. Développez. C'est douloureux? Oui, madame. Il faut que ce soit très douloureux. En seconde.